Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres de ce 12-45. Toute une vie, c'est le titre du nouvel album de Fatih, une première pour la chanteuse béninoise. L'œuvre marque le début d'une nouvelle étape dans sa carrière, on en parle dans ce journal. Plusieurs jeunes gens se marient de nos jours sans avoir passé les examens prénuptiaux. Au nom de l'amour, ils préfèrent s'unir sans évaluer les conséquences qu'un tel comportement peut avoir sur leur vie conjugale. Pourquoi passer les examens prénuptiaux? La réponse à découvrir. Au Bénin, les éleveurs enregistrent des pertes sur le plan financier du fait du décès des lapins. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour accompagner les acteurs? Le directeur de l'élevage répond dans un instant. Ce mercredi 18 décembre 2019, le monde entier célèbre la Journée internationale des migrants. Une journée qui invite la communauté internationale à reconnaître les droits des personnes qui quittent leur pays d'origine vers une autre destination. Et ce, pour plusieurs raisons, au péril de leur vie. Selon les Nations Unies, les migrations ont des effets positifs, aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. Les migrants nous proposent un élément pour mieux comprendre. La journée des migrants a été proclamée par l'Assemblée générale le 4 décembre 2000. Elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette journée est l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux. Les migrations sont une réalité incontournable. De nombreuses raisons amènent les personnes à se déplacer, que ce soit pour étudier à l'étranger, rejoindre des membres de la famille, chercher un emploi ou des moyens de subsistance ou assurer un meilleur avenir à leurs enfants. D'autres quittent leur pays pour fuir la criminalité, la violence, les conflits, la persécution, l'insécurité, la discrimination, les catastrophes naturelles et la dégradation de l'environnement. Les données de l'Organisation internationale des migrants montrent qu'à l'échelle mondiale, près de 3 400 migrants et réfugiés ont déjà perdu la vie en 2018. La plupart ont trouvé la mort en tentant de gagner l'Europe par la mer. Beaucoup d'autres ont péri en cherchant à traverser le désert ou des forêts denses en quête de sécurité. Aujourd'hui, la migration mobilise de plus en plus l'attention de la communauté internationale. Le 19 septembre 2016, l'Assemblée générale a adopté des engagements essentiels visant à renforcer la protection de millions de personnes déplacées de force. Depuis l'an 2000 à aujourd'hui, selon l'Organisation internationale des migrants, le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui migrent n'a cessé d'augmenter. On estime aujourd'hui à quelque 258 millions de personnes le nombre de migrants internationaux. Cependant, dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, les États membres ont reconnu les nombreux avantages des migrations et engagé les gouvernements à coopérer au niveau international pour faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable. Un nouveau pas vient d'être franchi dans le processus de la restitution des biens africains spoliés. Durant la colonisation, la France vient en effet d'annoncer une échéance pour la restitution de 26 œuvres d'art appartenant au Bénin. En visite à Cotonou, le ministre français de la Culture a indiqué que la restitution des œuvres d'art se fera dans le courant de l'année 2020 ou peut-être au début de l'année 2021. Il faut aussi rappeler que les deux pays ont également signé un programme commun de travail faisant état de la circulation d'œuvres d'art, notamment sous forme de prêts et d'expositions. Toujours au Bénin, la discographie de la musique moderne d'inspiration traditionnelle s'enrichit d'un nouvel album. Toute une vie, c'est le nom de la première œuvre musicale de la chanteuse Fatih, un album de 14 titres qui raconte en mélodie les victoires et les espoirs de nos vies. Toute une vie, la vie de Fatih en mélodie, les précisions dans ce reportage. Ces chansons, vous les avez tous fredonnées. De Toti
Agnonanché, en passant par Mpézi. Ces tubes lui ont valu de 2014 à 2016 5 distinctions, dont trophée Icône Africa 2014, meilleure vidéo 2014 de Bénin Top 10 et trophée Femme Héros en 2006. Avec ses douces mélodies, son timbre de voix qui porte loin la culture béninoise, l'artiste Fati dévoile son premier album, Toute une vie. Toute une vie, c'est nos joies. Toute une vie, ce sont nos peines. Toute une vie, ce sont nos victoires célébrées. Toute une vie, c'est nos espoirs que j'ai décidé de mettre en mélodie pour vous dire que tout est possible. 2019, Fati franchit un nouveau palier dans sa carrière d'artiste-chanteuse. Elle enregistre son premier album de 14 titres. C'est le bébé musical aujourd'hui que je mets au monde, qui se veut être ambassadeur de la musique béninoise ici et ailleurs, qui se veut être ami de tous ceux qui ont des plaies et qui ont besoin de pansements, qui ont besoin de bras ouverts pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls dans leur bataille, qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête d'être eux-mêmes. Toute une vie est le fruit de la carrière d'une artiste qui s'est lancée depuis 2014. 10 ans après, elle donne vie à un album qui reçoit le soutien du Fonds des Arts et de la Culture. L'artiste Fati va bénéficier donc de l'accompagnement du Fonds des Arts et de la Culture par rapport à la promotion de son œuvre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'album de Fati est déjà dans les discothèques, devant un parterre d'amoureux de sa musique et de journalistes. Elle annonce un concert en mars 2020 pour dédicacer son nouveau chef-d'œuvre, Toute une vie, à ses fans. La grande majorité des unions débutent sans aucune préparation formelle. Le mariage appelle certaines obligations, conditions et formalités à remplir avant de se dire oui. Au nombre de ces formalités, il y a le certificat prénuptial dans lequel il est mentionné le résultat des analyses médicales des futurs mariés. En quoi consistent ces examens et pourquoi le législateur béninois l'exige? Amitié Samidi et Léonore Laouin pour plus de précisions. Partie intégrante des conditions de forme du mariage, le certificat prénuptial constitue une pièce capitale à fournir et la condition sine qua non avant la célébration de tout mariage civil au Bénin. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une disposition légale contenue dans le Code des personnes et de la famille. L'article 127 du Code des personnes et de la famille, c'est bien dedans. La loi dit que les deux doivent se communiquer le résultat. La deuxième partie là est très importante. Donc, il ne suffit pas de faire ces examens médicaux que nous appelons certificat prénuptial, mais aussi les deux époux doivent se communiquer les résultats. Ces examens prénuptiaux concernent par exemple les hépatites au nombre des maladies et surtout le groupe sanguin. Ils doivent savoir s'il y a des incompatibilités. Ces éventuelles incompatibilités qui résultent du bilan prénuptial ne visent pas à empêcher l'union des futurs conjoints. La législation béninoise reste limitée. À ce propos, les avis sont divergents. Il faut voir l'avenir en fait. Il ne faudrait pas exposer les enfants et même ma santé à moi et celle de mon mari. Il ne faudrait pas vraiment. Bon, on peut toujours être compatible avec quelqu'un d'autre après. Je ne prends pas de risque. Je vais le faire prendre le risque. À cet stade de la relation, bon, je ne pense plus rebrousser chemin. Rebrousser chemin avant qu'il ne soit tard serait la décision responsable. S'entêter au nom de l'amour comporte d'énormes risques pour les futurs époux. Il y a eu un cas comme ça où les époux étaient incompatibles, pas par le sida, mais incompatibles par les analyses sanguines. Et on a constaté que si le couple se mariait, ils ne feront que des enfants mongols, des enfants malades, mal formés. Comme ils sont tous d'une religion, ils ont décidé de ne pas se traiter et ils se sont mariés quand même.
d'accord, en disant que Dieu fera. Mais successivement, tous les trois enfants qu'ils ont eus, c'était des enfants malades. La femme est décédée et l'homme aussi est décédé par la suite. Et s'ils avaient peut-être accepté de se quitter pour refaire un autre lien de mariage avec d'autres, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. C'est très important de suivre les indications, je peux dire, du certificat prénuptial. Des examens en amont pour jouir pleinement de son mariage. C'est une bonne démarche pour préserver sa santé, celle de ses progénitures, ses revenus, voire la stabilité de son couple. La résurgence de la peste lapine donne une peur bleue aux consommateurs de la viande du lapin. Par ailleurs, les éleveurs enregistrent des pertes énormes sur le plan financier causées par le décès par centaines de lapins. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour accompagner ces acteurs ? Yao Akpo, directeur de l'élevage, nous en parle. Il est au micro de Bruno Rotepo et François d'Assise à Mansiouan. Les mortalités qui sont actuellement enregistrées au niveau des élevages de lapins seraient essentiellement dues à un virus. Et la maladie qui est suspectée actuellement, c'est la VHD, la maladie hémorragique virale du lapin. Il faut également rappeler que c'est une maladie qui sévit dans certains pays limitrophes. Et probablement l'introduction d'animaux non autorisés pourrait constituer des sources de maladies. Il y a des vaccins. Et ce qu'il faut, c'est non seulement respecter les mesures de biosécurité, ça voudra dire qu'il faut respecter les règles d'hygiène, il faut se désinfecter, il faut avoir un accoutrement pour son élevage et surtout éviter des visites de personnes ne devant pas exercer d'activité dans l'élevage. Observez également la quarantaine. Les lapins nouvellement achetés ne doivent pas être introduits avant de les avoir observés pendant au moins 2 semaines. Les mesures d'accompagnement ne manquent pas. Les directions départementales de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les agences territoriales de développement agricole, ces structures travaillent déjà avec les éleveurs pour d'abord faire le point exhaustif des pertes, mais surtout leur prodiguer les conseils qu'il faut pour limiter la propagation de la maladie. Ce qu'il faut également dire, c'est que cette maladie ne se transmet pas à l'homme et cela ne justifie pas le fait qu'on doit pouvoir vendre de tels lapins, non. On proscrit la vente donc des lapins malades, mais on voudrait apaiser la population pour dire que nous ne sommes pas face à une zoonose et que nous pourrions continuer à consommer la viande de lapin saine. Au Rwanda, les autorités espèrent mettre en terme l'exportation des semences de maïs en 2020 grâce aux efforts entrepris actuellement par les industries. L'exécutif a lancé une stratégie visant à booster la production locale de semences hybrides de maïs, blé, soja et de patates douces, entre autres. D'ici les 2 prochaines saisons agricoles, le pays n'importera plus de semences de maïs. Cette décision devrait contribuer à réduire la facture annuelle de 4 milliards de francs rwandais consacrée aux importations de semences de blé, de maïs et de soja. Il est à préciser que le Rwanda achète environ 3 000 tonnes de semences de maïs par an. C'est sur cette information que se referme le 12:45. Prochain rendez-vous, 19:45 sur BB24.